le tapis rouge rien que pour moi. Le cinéma, ça en jette toujours. Mais à l'époque des réseaux sociaux et des plateformes, on s'est demandé si les jeunes étaient toujours intéressés par le cinéma. Prestigieux pour vous, le cinéma, par rapport à YouTube, à tout ce qui se développe à côté? Complètement. Il y a un vrai travail derrière. Oui, c'est ça, exactement. C'est prestigieux, c'est une ambiance différente. Moi, j'adore le cinéma, madame. Moi, je trouve que c'est très fascinant, le cinéma. Ouais. Et c'est tout ce qui est un peu strass, paillettes, il y a ce monde un peu célébrité, t'aimes bien? Moi, j'aime bien ça. La célébrité, tout ce qui est en rapport avec ça, moi, j'aime bien, madame. Pour toi, le cinéma, ça représente quoi, un peu? Un monde très dur à atteindre. Et pourtant, aujourd'hui, tu les as vus en vrai, c'était à côté d'eux, tu leur as parlé. Ouais. Et ça, c'est pour toi, ça symbolise quoi? Bah, c'est impressionnant. En plus, on peut leur poser des questions, ça nous informe plus sur le métier et tout. Tu leur as posé quoi comme question, justement? Bah, si dans leur prochain film, je pourrais jouer. Et tu penses y arriver un jour? Bah, j'espère. Je suis trop contente d'avoir des retours des gens à peu près de mon âge, parce que souvent le milieu du cinéma c'est des adultes, et donc moi je suis trop contente de partager et de voir que ça plaît à des personnes de mon âge et pouvoir avoir leur retour, pouvoir voir que ça leur a plu, qu'ils ont pleuré, qu'ils ont rigolé, ça me fait super plaisir. Et justement c'est important que les jeunes viennent aussi au cinéma. Mais c'est hyper important cette nouvelle génée, on essaye même dans le milieu du cinéma, je vois qu'il y a une nouvelle génée qui commence à arriver, et c'est hyper important aux jeunes d'aller au cinéma, parce que c'est eux le futur du cinéma quoi. Donc c'est hyper important. Ouais. On vient d'assister à la séance pour les jeunes. C'est important pour que les jeunes viennent au cinéma? Avec ce film-là particulièrement, oui, je trouve. Et bien sûr, c'est génial de faire des rencontres avec des jeunes qui ont souvent des questions plus libres que les adultes. Ouais. Ouais, pareil, et puis c'est bien de, je trouve, leur présenter une comédie, mais pas que, voilà, avec moi je tenais à mettre du fond dedans, que à la fin ils aient une petite réflexion aussi, voilà, et j'ai trouvé les jeunes très réceptifs au film, ça fait énormément plaisir. Parce qu'on sait que YouTube et le web se démocratisent, mais le cinéma, ça reste le cinéma. Ah ouais, absolument, déjà c'est un temps long, être pendant une heure et demie concentré sur une seule chose, déjà c'est bien. Et puis c'est vrai que c'est peut-être ça qui mute là en ce moment, c'est le temps de concentration qu'on est capable d'avoir sur quelque chose. Donc quand on a une salle pendant une heure et demie qui est vraiment attentive et qu'on puisse ensuite échanger sur les idées qui ont été racontées pendant ces une heure et demie, c'est génial. C'est presque politique de pouvoir continuer à échanger autour de sujets avec des jeunes. C'est pas presque politique, ça l'est. Bon bah c'est bon, les jeunes sont là, le cinéma a de l'avenir.